wesh les potes, c'est Soutrash et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors avant que la vidéo commence les petits potes, lâche le plus gros like de ta vie comme d'habitude poto, abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour rejoindre la Troll Family. Et c'est parti les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense vraiment que la vidéo sera vraiment géniale. Et si toi tu me découvres grâce à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est vraiment important pour qu'on puisse atteindre les 100 000 abonnés les amis. Vraiment je compte sur vous pour que tout le monde s'abonne et active la cloche de notif pour ne rien rater. Et c'est parti les amis, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est très simple. C'est que nous allons faire le labyrinthe de Billy vs le labyrinthe de mon meilleur ami Joe. Si cette vidéo vous plaît, bombardez la barre des likes, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et toi Billy, t'es chaud ou pas? Est-ce que t'es chaud? Ah moi je veux faire mon labyrinthe, je veux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de Joe. Oh mais non, vas-y, arrête d'être méchant comme ça. Non, je suis sûr que chez Joe quand même ça pourrait être cool. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête. Ah bah déjà le labyrinthe il a été bien fait, il est joli hein. Ouais c'est vrai les potes que le labyrinthe est très très joli. Je crois que c'est Blaze qui l'a build hein, non? Ah je sais pas, je sais pas chez qui. Ouais bon les amis, je pense que c'est Blaze. Du coup voilà, il y a Blaze 13 qui a build le grand Joe là. Du coup voilà, n'hésitez pas à le remercier dans les commentaires, ça fait trop plaisir. Et c'est parti les potes, voilà pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple hein, bien évidemment. En gros il y a des labyrinthes. En gros ce qu'on doit faire c'est qu'on doit faire les labyrinthes etc. Et à l'intérieur des têtes, c'est à dire au bout du labyrinthe, et ben il y a des missions à réaliser et des fois les missions sont vraiment hardcore voire what the fuck les amis, c'est incroyable. Déchant, il faut pas voir les réponses, il faut descendre. Ouais oui c'est vrai, moi je suis pas un tricheur Billy, t'inquiète pas. Vas-y par contre on commence par lequel, celui de Joe ou le tien? Alors comment je parle le mien? C'est le mien avec chez moi le meilleur. Ok ça va, ça va. Et les amis aussi pour ceux qui ne savent pas, Billy il a une nouvelle chaîne YouTube. Du coup voilà, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, vous écrivez sur YouTube Billy fils de Souka et vous le trouvez, voilà. Ah en plus on a tourné une super vidéo ensemble, on vous dit pas plus. Ouais. Mais allez chapeau la vidéo. C'est vrai les amis, on a rec une vidéo incroyable. Allez la voir sur sa chaîne les potes, je compte sur vous. Et c'est parti Billy, vas-y on commence le labyrinthe. Ouais allez on commence. Vas-y let's go. Bon les potes, on verra si le labyrinthe est compliqué bien évidemment. Hein, voilà bon. Le chemin. Ah, il est pas compliqué. What, ok, bon, je trouve une vache dans labyrinthe, ok, d'accord, c'est super. Ah, tu sais, pour faire gagner tout le temps les labyrinthes, il faut toujours aller à droite. Ah, faut toujours aller à droite, tu penses? Ah oui, parce que comme ça, t'as toujours la sortie comme ça. Oh, il y a une vache. Ouais, il y a une vache. Ok, bah, vous savez quoi, on va suivre Billy. Oh, c'est bon. Là on est arrivé au deuxième endroit du labyrinthe, vas-y let's go. Ah oui. Du coup attendez les amis, on essaie de chercher un petit peu la sortie. La tête ne devrait pas trop se trouver super loin des potes, je suis sûr qu'on y est presque. Ah bah non, cul-de-sac, super. Ah je suis coche-tête. C'est vrai que c'est un petit peu relou, t'as trouvé toi? Ah moi j'ai trouvé oui. T'as trouvé? Oh bah oh. Ouais. Ouais tricheur. Oh le gros tricheur. Vas-y redescends là. Ah non mais j'ai trouvé jusqu'à la D pour te trouver toi. Allez viens regarde tu pars là. Les amis vous avez vu le gros tricheur, il est passé là, par regarde, dessus. Là regarde c'est là. Oh là 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 là. Bah oui, tu m'étonnes que tu sais maintenant où c'est vu que t'as triché. Ah non, mais c'est ça, j'ai toujours été à droite et je l'ai trouvé. Ouais, bien sûr, les amis, dites-moi dans les commentaires. Et après, j'ai utilisé ma super force et j'ai vu. Ouais, c'est ça, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il ment, s'il a triché ou pas. Moi je dis qu'il a triché. Après, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Ouais. Bon, allez. C'est bon. Pas de tricheur. Bon, vas-y, c'est bon. On va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Bon. Caché. What? Pas touché. Waouh. Ok. Oh. Pas touché, sinon, boum. Billy, tape pas dessus. Chey. Non, Billy, ne tape pas dessus. Recule. Ça va être. Ah, ça me démange. Non. Regarde. Eh ben, je. Touche ça. Oh non. Oh Billy, doucement. Wow. Fais gaffe, bon les amis. Billy, si tu tapes dans ça, gros, ça explose tout. Donc vas-y, fais gaffe. On va essayer de camoufler. Mange jamais chez les villageois. Ok. Bon vas-y, Billy, en gros, vas-y, dis-nous, c'est quoi le but du jeu? Eh ben, je sais pas. C'est pas, d'accord. Ok, attends. Faut faire quoi ici? Parce que je comprends rien. Alors, sur quoi tu vois les shulker box? Les shulker box, ouais. Là. Oui. Eh ben, tu prends un arc et tu... Ah ouais, il y a des arcs et des flèches. Villageois. Ah, je dois tirer dans quoi? Sur les villageois, il faut pas les toucher.
Ok, du coup... Ah ok, en gros, tu veux que je tire sur les minecarts sans toucher les villageois? Voilà, chicha. Et sans les toucher les villageois. Waouh, ah, mais c'est compliqué, ça. C'est compliqué, ah non, ça. Ah, c'est facile. Bon, vous savez quoi, les potes? On va essayer. On va essayer de casser les minecarts sans toucher les villageois, ça va être chaud. Ok, bon, alors, attendez, le premier, je l'ai pas touché. Allez, oula. Allez. Oula, what, j'ai un petit peu du mal. Ok, le premier, c'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi le premier, les amis. Ouais. C'est un petit peu... Ok, le deuxième. Le deuxième, Billy. Le deuxième. Le troisième. Le Youhou troisième, Billy. Yes, les amis, pour l'instant, je fais un sans faute. Wow, Billy. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est moi le boss. C'est moi le boss, final. N'importe quoi, vas-y. Ok, bon, les potes, je vais en finir avec eux. Ensuite, on va en finir avec Billy. Hop, là, attendez, les petits minecarts là-haut. Ah, tu m'auras pas, moi. Ouais, t'inquiète pas, Billy. Je finis avec les derniers minecarts et je tais-toi. Non. Ok, c'est bon, nickel. J'ai cassé tous les minecarts. Moi, tu m'auras pas. C'est à ton tour, Billy. Non. Allez, t'es prêt? Non, 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 non. Mon minecart. Ça va, Billy. Oh, t'as gagné. T'as gagné. Ah, bah voilà, j'ai gagné. Et j'ai une récompense, moi, pour tout ça. Ah oui, bien sûr, t'as une récompense. La fierté d'avoir participé. Oh non, non, bah non, ça, c'est une vieille récompense, Billy. Oh, oh, quand même. Ah, moi, je... ah bah, tiens, ta récompense. Je veux une belle récompense. Casque en diamant. Oh, stylé. Regardez, il m'a offert un casque en diamant. Eh, il me va bien, tu trouves? Ah oui, il te va très, très bien. T'es trop beau avec ça, là, papa. Bah, merci beaucoup, Billy. Regardez, les potes, il m'a offert un beau casque en diamant. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette épreuve. Bah, c'est nickel, Billy. Bah, voilà, bah, merci beaucoup, en tout cas, pour le casque. Vous avez mal fait votre boulot. On devient pas les laisser gagner. Ok, bon, les amis, vous savez quoi? Je vais laisser Billy avec ses ouvriers tout seul. Il est en train de péter un cap contre eux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner avec celui de Joe, les amis. On verra ce que Joe nous réserve, les potes, parce que bon, ça peut être incroyable. Vous connaissez Joe? Il est idiot. Il est aussi bête que mes pieds, les potes, vraiment. Voilà. Ah bah le voilà. Mais Joe! Ah, en tout cas, ça va? Ah, ça va et toi, Joe? Ah, bah, ça va très bien et toi? Bah, ça va, ça va. Bah, en fait, justement, j'allais faire ton labyrinthe. Bah, tu veux le faire avec moi, du coup? C'est quoi, labyrinthe? Ok, Joe, allez, tu me suis. Oh, les potes, j'ai trop la peine. Oui, je te suis. Allez, boum, aïe. N'importe quoi. Ah, fais gaffe, te cogne pas, Joe. Ah, je vais tout droit. Je dis pas où c'est. Les amis, regardez, il avance, mais il avance la tête baissée, c'est ultra chelou. Bon, on va essayer de pas trop se perdre, hein, ok, Joe? Ah, bah, moi, je suis déjà perdu. T'es où? Ah, t'es là. Ah, Joe, tu sais quoi? Reste à côté de moi, me lâche plus, ok? Ah, je te tiens le bras. J'ai trop peur, là. Voilà, c'est ça. Tiens-moi la main, Joe, vas-y, n'aie pas peur, t'inquiète pas. Bon, les potes, Joe, il est vraiment aussi idiot que d'habitude, c'est incroyable. Si vous voulez plus de vidéos avec Joe, au passage, bombardez-moi la barre des likes. Voilà, moi, ça me ferait ultra plaisir de refaire des vidéos avec toi, Joe. Ah bah, attachez le mur, hein, tu caches le mur. Ouais, c'est bon, pardon, vas-y. On essaie de trouver cette sortie, Joe. Moi, j'ai du mal, hein, j'ai vraiment du mal. Hein. Ah, oui, hein, t'es la sortie. Toi, la sortie, elle est où? Bah, je dis, les gens, ils devraient mettre pas de pouce bleu si on trouve la sortie. Ah, si on trouve la sortie, t'inquiète pas qu'ils vont mettre des likes, les gens. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, parce que si on perd, on pourra pas mettre la vidéo aussi. Hein. Ah, bah oui, c'est vrai que si on trouve pas la sortie, on pourra pas mettre la vidéo en ligne. Attends, hop là, c'est pas par là. Oh, c'est bon, on a trouvé, Joe. Ah, j'ai trouvé la sortie, oui. Ah non, c'est pas la sortie, c'est l'entrée. Ah, t'es un peu bête. C'est vrai que c'est l'entrée, bon, c'est parti. Ah, qu'est-ce que t'es que ça? What? Ok, attends, what? Ok, bon, c'est... Waouh, ok, c'est assez spécial. Ah, c'est du caca. Ouais, ça a l'air d'être du caca ou de la boue, enfin non, ça a l'air peut-être d'être une diarrhée. Là, ah, tout canapé. Ça, t'es poussé dedans. Ah non, 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 me pousse pas dedans, Joe, ouais, quand même. Vas-y, attends, on va voir ce qu'il y a à l'étage. À l'étage, il y a une chambre, comme toujours pas aménagée. Ouais, il y a une chambre pas aménagée. Et là, qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a l'air d'avoir des trappes. Viens, on descend. Ah, ça, c'est une salle. Ouais, il y a l'air d'avoir une salle. Oh, what? Ouais, t'es trop bien. Waouh. Oh, en gros, Shuka, je vais t'expliquer. Ah, tu prends le fusil qu'elle a et tu vas tirer sur tous les... sur tous les pigmen. Et pour arriver où, au final? Pour arriver à la fin du jump. Ouais, t'es chez les cochons. Oh, fais gaffe, Joe. Mais à la fin du jump, il y a l'air d'avoir une cage. Ah bah attends, Joe, j'ai une idée. Tu veux pas aller t'enfermer dans la cage et je fais genre que je dois te libérer parce que c'est un petit peu plus crédible. Ah bah tu veux qu'on m'enferme dans la cage? Ouais. Ok, d'accord.
En plus, il va le faire, il est trop bête. Regardez, il va vraiment s'enfermer, mais il est sérieux. Bon, les gars. Cours, tu coincé dans la cage, tu cours. Vas-y, Joe, j'arrive, je viens d'aider Joe. À demain, en tout cas. Ok, bon, les amis, on va jouer Joe, on va aider Joe. Par contre, juste avant, je vais me mettre en game mode 0, voilà, en survival. Je vais mettre aussi le casque que m'a donné Billy tout à l'heure. C'est parti, je prends l'arme. Let's go. Du coup, en gros, je dois tuer tous les pigmen, hein. Coup, ah, tu peux le faire, Touka. Ouais, je vais le faire, Joe, t'inquiète. Je vais tous les défoncer un par un. Hop, on avance, par contre. Oh, en bas, il y a de la lave. Ok, en bas, il y a de la lave. Attendez, les potes, je vais tirer un petit peu sur Joe. On va voir comment il va réagir. Ah, t'es faut pas me tirer dessus, hein. Non, non. Ah, c'est les pigmen qu'il faut toucher. Mais c'est pas toi sur qui je tire sur les pigmen. Oh, Watouk, il est tombé par terre. Ouais, Joe, ça va? Oh, m'a touché la tête. J'arrive, Joe. What? C'est normal que les pigmen y respawn. Oh, je suis tombé comme un con, n'importe quoi. Ok, bah attends, je reviens. Les pigmen, bon, les amis, les pigmen respawn. Ok, voilà, on va tous se les faire avant qu'ils nous tuent. Let's go. J'arrive, Joe. On les défonce. Bah, j'ai un peu mal à la tête, tu m'as tiré dessus quand même. C'est bon, je suis là. Ah, ouvre-moi. Eh, regarde, le chapeau, il était pas belle. Ça va, allez, Touka, il faut qu'on court. Vas-y, on sort. Ah, il est tombé dans la main. Ah, Touka, je suis aux fesses. N'importe quoi, Joe. Bon, les amis, j'ai réussi à libérer Joe, c'est incroyable. Du coup, ça va, Joe? Oui. Ils t'ont pas trop fait de mal? Ah, t'es trop bien. Ah bah non, toi, tu étais là pour me sauver. Bah oui, heureusement. Bah voilà, et du coup, comme je t'ai sauvé, je pourrais avoir une petite récompense quand même, mon petit Joe. Les armes, écoutez, c'est cher comme ça. Ouais, mais quand même, une petite récompense comme ça. Ah non, d'accord, bah tu m'as dit, regarde comme ça, et je vais t'offrir beaucoup de choses. Merci beaucoup, Joe, ça fait trop plaisir. Et aussi, je vais t'offrir patates. Des patates? Oui, des patates. Pour faire des frites. Parce qu'on va aller manger, j'ai faim. Ok. Après la vidéo. D'accord, ok. Du coup, vas-y, les potes. Après la vidéo, je suis obligé de préparer des frites pour Joe. D'accord, ok, pourquoi pas. Du coup, les amis, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On a fait le deux labyrinthes. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires lequel de ces deux labyrinthes vous préférez le plus. Voilà, il y avait celui de Billy, celui de Joe. Les deux, ils étaient ultra sympas, les amis. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et quel labyrinthe prochain vous voulez que je fasse. Soit le labyrinthe de Eva, de ma femme, je sais pas, de Apu ou autre. Voilà, vous me dites dans les commentaires. J'aimerais aussi remercier, oui. Eh, viens voir. Ouais, Joe. Eh, aux 10 000 likes, regarde ce qu'il y a. Ouais, ok, les amis, regardez, s'il y a 10 000 likes à cette vidéo, on rentrera dans le corps de Joe, les potes. Voilà, bombardez tous les pouces bleus, les potes. Il nous faut 10 000 likes pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Yes, parce que bon, à l'intérieur, il a l'air d'avoir des trucs de ouf. Bon, on va pas trop spoil quand même. Ah bref. Non, en tout cas, il spoil pas. Ouais, bon, on va pas trop spoil. Bref, les amis, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Soutrage. Ciao, les potes. Bye bye.